Loki est celui qui a bâti le TVA et a mis en place celui qui demeure. Un nouveau trailer vient de sortir et il confirme la plupart de mes théories. Avec tout ce que j'ai pu dire et prédire depuis le début, j'avoue qu'il est un peu difficile de s'y retrouver. Alors dans cette vidéo, je te résume tout en version accélérée. Attention, spoiler en approche. Celui qui demeure est le tout dernier variant des Kang. Il se trouve dans un lieu en dehors de l'éternel flux temporel. C'est d'ailleurs sûrement là-bas que se trouve le conseil des Kang, mais dans une autre temporalité, car le temps s'écoule bien là-bas aussi. Il s'est exilé pour ne pas créer d'autres Kang et menacer le multivers, puisque chaque Kang crée des incursions qui détruisent des univers. Le TVA existe d'ailleurs pour empêcher que ça se produise. Pour s'assurer que ça fonctionne, il crée une boucle temporelle qui se répète à l'infini sans libre arbitre, où absolument tout est planifié. Renslayer, Sylvie et la bande de Loki ayant chacun un rôle primordial. Commençons par le commencement. La mission du braquage temporel des Avengers a été autorisée pour créer ce variant de Loki. Sylvie, elle, a été enlevée encore enfant de sa timeline sans avoir créé d'événement Nexus. Dans le plan, il faut qu'elle ait une vie de fugitive pour créer une haine en elle qui la fera tuer celui qui demeure. Un plan qui prévoit que les deux se rencontrent. Suite à ça, Sylvie envoie Loki dans le passé du TVA pour permettre à Loki de subir une errance temporelle prévue par celui qui demeure. Renslayer, elle, crée le tout premier variant de Kang en lui donnant le guide du TVA. Car le Victor Timely de l'éternel flux sacré n'est pas dédié à devenir Kang. Sans ce guide, pas de Kang. Un variant qui, selon moi, est celui qui engendrera tous les autres. Pour moi, ce Victor Timely aura besoin de devenir Kang le Conquérant pour gagner la guerre multiverselle contre ces variants qu'il a créés lui-même. Who is Kang? Who I need to be. Et ensuite, il deviendra celui qui demeure pour diriger le TVA. I've been dubbed many names by many people. A ruler. A conqueror, he who remains. Sans Kang, il n'y a pas besoin de TVA, et le multivers n'est pas en danger, mais on y reviendra. Venons-en à l'épisode 4 et à la fin de la série Loki. Victor Timely est désintégré instantanément. Pour moi, il se passe la même chose que dans Quantumania. La différence est que rien ne peut s'échapper du royaume quantique, ce qui crée des milliers de Scott, alors qu'ici, son essence est vaporisée et dispersée à travers le flux temporel. Ensuite, l'explosion de l'éternel flux temporel détruit le TVA pour le recréer. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une boucle temporelle. Seulement, le trailer nous montre que Loki souffre de nouveau d'errance temporelle. Je pense donc qu'à la fin de l'épisode 4, Sylvie et lui se sont enfuis avant la destruction du TVA via le timepad de celui qui demeure. Un timepad qui permet de voyager dans le temps du TVA, mais qui va leur enclencher l'errance temporelle. Loki va donc reconstituer son équipe, avec Mobius, vendeur de jet ski, Kazay, évadé d'Alcatraz, B-15, médecin, et bien sûr, Victor à son époque. Tous se retrouvent dans un entrepôt qui semble être l'ancêtre de l'atelier d'Obi. Et comme prédit depuis l'épisode 1, nous aurons droit à notre épisode Un jour sans fin, où Loki va essayer des dizaines de fois de nouvelles manières pour tenter de sauver le TVA, et où à chaque échec, il sera tiré dans le passé, de retour à l'atelier. On le voit d'ailleurs à ce tableau de post-it, tout droit tiré des crédits, qui sont sûrement des hypothèses. Mais chaque échec désintégrera Victor Timely, le dispersant un peu plus dans le flux temporel, créant une armée de variants de Kang. Je rappelle que tout ceci est le plan exact de celui qui demeure. Avec ses actions, c'est Loki qui crée le TVA depuis ses fondations, en recrutant les premiers agents. C'est lui qui va mettre en premier en relation Obi et Victor Timely, créant le guide du TVA, et c'est lui qui met Victor Timely sur le chemin de Kang. Sachant qu'au final, c'est sûrement lui qui fera fonctionner la machine. Loki est la pièce maîtresse du plan de celui qui demeure. Et cette série nous montre son origin story. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ceci qu'il efface la mémoire de tout le monde. Car le fondateur est Loki. Enfin, comme je vous le dis depuis le début, je sens bien que nous verrons Timely disparaître dans le 31e siècle et le nouveau Kang apparaître. Concernant Renslayer, que je pense toujours être un variant de Kang, son rôle est désormais avec Alayot dans le néant. Elle reviendra aux côtés de Kang pour mener son armée lors de Kang Dynasty, cachant ses rancœurs pour le bien de tous. Celui qui demeure, lui, est bloqué dans cette boucle à tout jamais. Et seul Loki peut l'arrêter. Souvenez-vous, dans l'épisode 6, lorsque l'on passe le seuil, ou le threshold en anglais, nous n'avions jamais su ce qu'il se passe réellement. En fait, c'est très simple. La timeline sacrée se brise créant des branches, puisqu'au sein du TVA, les employés ont compris qu'ils étaient des variants et ont arrêté de travailler, tout simplement. Et surtout, ici, c'est le seul moment où celui qui demeure ne connaît pas la suite. Il s'agit du point charnière de la boucle, la fin et le début. À ce moment, celui qui demeure propose à Loki de le tuer, déclenchant la guerre des Kang, ou de reprendre la main en dirigeant le TVA. Je pense que ce moment est le seul moment où les choses peuvent changer. En fonction de leur choix, Loki et Sylvie relancent le cycle ou l'interrompent. Et celui qui demeure ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Seulement depuis toujours, c'est Sylvie qui décide de relancer le cycle. Et ce cycle va forcément se terminer. Pas dans cette série, puisque Loki enclenche le commencement, mais probablement dans le prochain Avengers. Et cette fin de cycle mènera à Secret Wars, et au reboot du MCU avec un monde où celui qui demeure n'a jamais mené le scénario et où rien de ce qui est arrivé dans le MCU n'est réellement arrivé.
Un monde d'ailleurs où le super-héros, les X-Men et compagnie seront déjà là. Tout ceci n'est évidemment que spéculation, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ciao !